Salut hop tout le monde, c'est Nadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 nos GTA. Il y a du clip épique, du clip bug, du clip fail, du clip what the fuck. Tout ce qu'on aime de toute façon, on va pas se mentir, c'est tout ce qu'on aime les amis. Et restez bien jusqu'à la fin du top 10 pour savoir le thème de la semaine prochaine. Et on attaque directement à la 10ème position de ce top. On commence, on engage, c'est le début, avec notre cher Tricel. Et notre cher Tricel, il se retrouve sur BO2, c'est un grand classique, c'est pour ça que je l'ai mis à la 10ème place, tout le monde l'a fait. La Samtex sur le train, qui tue quelqu'un à l'autre bout, c'est beau. On va pas se mentir, c'est beau, mais tout le monde l'a fait. 9ème position, on se retrouve avec Raoul. Alors Raoul qui va nous faire un petit dégagement furtif sur Rocket League, en mode Shogun Tonight. Très très beau dégagement, bravo à toi. 8ème position, on se retrouve avec notre cher Nicolas. Alors notre cher Nicolas, alors j'ai trouvé ça stylé, donc j'ai mis un petit accéléré. Je sais pas du tout si c'est bien, mais en tout cas c'est super stylé. La petite bataille d'avion, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous les voyez, là franchement c'est super épique. J'ai trouvé ça super épique en tout cas. Je sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça stylé, bravo à toi. 7ème position, on se retrouve avec Fawless. Fawless avec un petit stunt sur notre cher Trackmania. Donc il faut savoir que sur Trackmania vous n'avez aucun contrôle dans les airs, donc c'est vraiment tout la déduction quoi. Et le petit spot de précision, plutôt classe, plutôt beau, bravo à toi. 6ème position, on se retrouve avec un autre Nico justement, avec Monsieur Nico, sur Battlefield, pardon, j'ai eu du mal. Et il va faire l'enfoiré, il va péter dans l'hélico, il va se retourner et exploser et faire deux morts. Voilà, le grand enfoiré de base, bravo à toi. 5ème position, on se retrouve avec Freezer. Alors Freezer, là on se retrouve encore pour un dégagement, mais encore plus épique que l'autre. Vous allez voir que lui, par contre, c'est vraiment abusé. Sur la ligne, sauvetage miraculeux qui lui marque. Magnifique arrêt, bravo à toi, lui il fallait vraiment aller le chercher, félicitations. 4ème position, on se retrouve avec Mini Piche. Alors Mini Piche sur du Battlefield, encore une fois. Petit 360, c'est pas fini. Petit 360, ça tire, mode random, y'a pas de souci. Ça trouve pas, y'a pas de problème. Là on voit l'hélico, petit 360, petit 720. Et ça tire en mode noscope des familles. Et ça trouve preneur. Et ça défonce l'hélico. Bravo à toi. C'est totalement de la luck, mais c'était stylé. GG à toi. 3ème position, on se retrouve avec Tetris sur du CSGO. Et là, pareil, ça c'est beau. Ça c'est très très beau, on va pas se mentir. Petit jump à la WAP, 360. Trickshot, ça trouve preneur. Magnifique. GG à toi. 50ème position, on se retrouve avec Léo. Alors, il nous a fait un stunt sur un jeu que j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire du stunt là-dessus. Il va se mettre sur le camion. Faire un bug, Faudra que j'y retourne sur ce jeu, ça peut être marrant. Quoi qu'il arrive, il fait un bug, je ne sais pas comment, avec quoi et dans quelles circonstances. Il va s'envoler en mode Shogun Tonight et tu la vois la grue. Léo, lui, il fait des grues même sur God Simulator. Et boum, sur le sommet, le stun de précision à la chèvre. Bravo à toi, il fallait le faire. Et pour le vainqueur de cette semaine, on se retrouve avec le clic qui m'a fait le plus rire, avec Monsieur Erox. Alors Monsieur Erox se retrouve sur FIFA. 90ème minute, plus 3 minutes de temps additionnel. En gros, c'est la dernière action. Il se fait récupérer la balle, il a le contre-offensif. Là, c'est pas bon, mauvaise passe, il récupère encore. Là, il va directement se projeter vers l'avant. Petite passe en profondeur, ça trouve preneur à l'entrée de la surface. La petite enroulée de Lewandowski, mais qui se fait arrêter. Le poteau. Et 6 mètres. Et coup de sifflet final. T'avais la balle de match, t'as réussi à la rater. C'est dommage pour toi, t'as dû péter un câble en tout cas. Et voilà les amis, ce top 10 c'est déjà terminé. Si vous avez kiffé tout simplement les clips, n'hésitez pas à lâcher le bon gros like qui fait plaisir. Comment participer pour la semaine prochaine? Tout simplement, le thème, ça va être un thème ce que vous voulez. C'est-à-dire un petit peu le même principe que celui-là. Ça peut être du clip, du fail, du épique, mais sur tous les jeux, vous avez le droit d'envoyer du GTA cette fois. Ne vous inquiétez pas. Et donc, comment participer? C'est simple, tu uploads ton clip sur YouTube, tu m'envoies le lien par message privé sur ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à plus tout le monde, c'était Dadou. Peace.